Bonjour tout le monde. Honneur. Respect. Nous comptons, Université Quisqueya comptons présenter nous deuxième journée webinaire ça, qui est organisée dans le cadre de lancement livre qui vient pour titre Haïti et le COVID-19, des outils pour comprendre et réagir, que Presse Unique fait sortir sous direction recteur universitaire, professeur Jacques Lumard. Mais c'est Daniel Alexis, enseignant et secrétaire général de l'Université Quisqueya. Ma modéré séance jeudi, et recteur Luman, qui était doué jouer le modérateur, avait été venu avec nous dans le débat, puisque les bons vu l'âge sous l'ouvrage que les dirigeait. Maladie coronavirus, là, pour y plus passer 610 000 personnes déjà sur la terre. Et nous plus que 15 millions de personnes déjà qui trappaient maladie ça. En Haïti, si nous regardons les statistiques du ministère de la Santé publique, nous avons 16 120 cas suspects déjà dans le pays. Il y a 6 948 cas confirmés et 145 personnes qui mourent déjà en bas COVID-19. Mais bien avant le coronavirus est arrivé à la caille, bien avant le décret présidentiel 19 mars 2020, l'Université Quisqueya, le rectorat qui a suivi déjà, comment COVID l'a pas allé dans le monde. Tu as déjà pensé organiser un colloque sur le sujet. Mais le colloque n'a pas réussi à faire parce que la maladie a attrapé et le pays a fermé. Mais l'idée n'a pas mouru. Le recteur universitaire t'a proposé que, au lieu que nous organisions un colloque, ce qui n'est pas possible encore, nous réalisions un ouvrage sous question. Et c'est Texas qui publie aujourd'hui sous format PDF numérique que l'université a mis gratuitement en circulation pour tout le monde qui a eu accès à la texte, eh bien, semaine webinaire, ça, c'est pour nous présenter l'ouvrage et pour bailler le public l'opportunité pour discuter avec les gens qui contribuent à l'ouvrage. L'IFSA divisé en quatre parties, quatre grands domaines thématiques qui sont abordés, sous santé, sous gouvernance, sous économie et société. Pendant toute semaine, là, Université a organisé type activité ça pour permettre nous tendre mon yo en attendant que nous litexions et pour nous poser aux questions parce que nous connaissons tout le monde des préoccupations par rapport à santé nous combien de temps COVID l'a fait là toujours comment nous pourrions faire vivre avec masque la figure nous toute journée tout le monde des questions sur gouvernance là qui ça l'état qu'a fait qui ça pays hein, par rapport à l'autre pays qu'a fait qui ça qu'a discuté qui ça qui a venu nous sous question économie hein, tout le monde prend en pile frappe avec COVID-19 là donc question économique yo, c'est des questions qui importantes surtout dans société côté que grand goût c'est un bagage qui omniprésent 3 moun dans pays hein, bon 4 millions moun dans pays hein, selon chiffre officiel yo risque souffrir la faim et question société tant pour éducation qui c'est sujet jeudi hein, qui ça l'école pour elle devenue avec COVID-19 là, qui ça qui fait déjà, qui ça qui va le faire, qui réflexion qui nécessaire pour finalement faire une réorientation sérieuse qui fait dans le domaine là pour nous continuer à faire l'école fonctionner, mais fonctionner autrement pour être en phase avec besoin société nous là. Il y a plus que 30 universitaires qui te répondent à l'appel Université Quisqueya et c'est Texayo qui permet livre réalisé long période de moins de 3 mois, bah extraordinaire. Donc, livre aborde un ensemble de questions, son livre 325 pages que nous avons chargé sur site universitaire pour monde qui peut gagner en ligne. Donc, nous allons aller sur www.unique.edu.ht pour nous télécharger livre, pour nous garder, pour nous lire et puis pour nous toujours interagir sur plateforme là avec université et avec monde qui contribuait dans le livre ça. Donc semaine ça n'a passé là avec personnalité qui contribuait dans le livre là, il y a 2-3 autres personnalités qui pas contribué mais qui là avec nous parce que bon parole vous voulez dire tout que pas que dans le livre là. Hier nous t'ai parlé de gouvernance, jeudi c'est à éducation, demain c'est à économie et après-demain c'est santé. L'enfin moi, il y a un webinaire qui a organisé avec des partenaires américains qui travaillent sur question ça tout puisque nous connaissons question coronavirus là,
c'est une question qui concernait toute planète là et c'est pas nous-mêmes seulement en Haïti. Pour commencer l'activité journée aujourd'hui, nous allons attendre le professeur Nesli Maniga, que tout le monde connaît. Nesli Maniga, c'est ancien ministre de l'Éducation nationale. Il a une licence en gestion l'INAGE, une maîtrise en entrepreneuriat à l'Université du Québec au Canada. Nesli Maniga a passé plus de 10 ans chef département moyenne petite entreprise et puis professeur entrepreneuriat à l'Université Kiskeya. Il était professeur tout à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, École nationale des arts et métiers de la Guinée. Il occupait fonction ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle entre avril 2014 à mars 2016. Et actuellement, il siégeait le conseil d'administration Partenariat mondial pour l'éducation, côté il occupait fonction président comité gouvernance et éthique. Donc, professeur Nesli Maniga, c'est le premier monde qui a intervenu pour nous matin. Je vais rappeler un petit article dans le livre, parce que pas oublier tout le monde qui est là, c'est le monde qui contribue dans le livre. Et donc, c'est le texte dans le livre que nous avons parlé, donc son colloque en ligne, en fait. Et petit article, professeur Maniga, c'est l'éducation de qualité, le premier des vaccins. Professeur Maniga. Bonjour, bonsoir, tout le monde qui a écouté nous, dépendamment de qui fuseau horaire que nous y est. Je commencer par remercier l'Université Kiskeya qui t'a invité à participer dans gros document ça. Son sujet extrêmement important, parler de éducation et impact éducation gagné. Je dis dans la vie tout le monde, dans le contexte COVID-19 là. Alors, pour m'aller directement dans ça, je me dis, et moi pour aller partager avec nous et rapidement j'ai 15 minutes pour me faire ça présentation non et voilà alors et effectivement Jean professeur Daniel Alexis Sodian texte que m'écrit contribution que me fait dans livre ça il gagne pour titre l'éducation le premier des vaccins et sous-titre là c'est vers une nouvelle ouverture. Donc, question nouvelle ouverture, là, elle a tout sens, selon j'aime pour l'expliquer là tout à l'heure. Pour qui ça? Parce que l'extrêmement important pour nous, et c'est l'idée ça que vous venez développer, c'est que après COVID-19, pendant COVID-19 là, et après COVID-19 là, il est extrêmement important pour que à travers la planète là, depuis le niveau préscolaire, que l'école ait été comme mission préparer un lot de gens. Future génération leader, future génération scientifique, citoyen, toute qualité citoyen, pour que planète là, aujourd'hui, nous fait face à une pandémie, mais nous pourrons continuer à faire face à plusieurs autres pandémies peut-être, à plusieurs autres chocs climatiques, chocs économiques. Donc, il faut que citoyen gagne capacité pour être capable de répondre, anticiper et prendre bonne décision en fonction de chocs. Première question que nous avons posée, est-ce que l'école là Jean Lier lui permet ça? Eh bien, c'est une hypothèse de base et une conclusion autour que me tire dans l'article ça, c'est que même monde qui réussit dans l'école là Jean Lier aujourd'hui, donc la réussite scolaire aujourd'hui, lui pas nécessairement conduit à réussite personnelle, réussite professionnelle et réussite collective. Alors, ça me pas Jean pile temps, me pensais que pour tout monde qui a suivi présentation, il y a quelques bagages pour nous rappeler quand même. Sous système éducatif dans le pays d'Haïti, environ 3,5 millions de personnes qui l'école et au niveau et de cycle formation et général là. Et là-dedans, nous gagnons environ un petit classe plus que 20 000 établissements l'école. Nous gagnons 400 établissements sous formation technique et professionnelle et environ plus que 200 et établissements universitaires. Mais ça qui est important pour nous retenir dans quelques chiffres, c'est que nous gagnons environ 20, selon le chiffre ministère de l'Éducation nationale, des statistiques, seulement 24% de l'école dans le niveau fondamental qui est public, et seulement 27% de l'école au niveau secondaire qui est public. Donc, et l'un pour continuer à regarder, nous allons voir que parents, en particulier, dépendamment de l'étude qu'on prend, qui fait ces 10 dernières années, ils ont dépensé entre 20 à 40% si revenus qu'ils ont gagné. Que alloué à l'école. Alors, ça qui va le passer, qui est l'autre chiffre qui est important pour nous rappeler aujourd'hui, hein?
c'est que, nous allons retourner sur ça, lorsqu'il y a environ 25% de l'école seulement qui est publique, ça va avoir un paquet de difficultés pour gagner en l'école qui soude pays. En plus, le monde parle de ségrégation scolaire, il y a même monde qui parle de apartheid scolaire, difficultés pour gagner un curriculum dans tout type de l'école, ça, avec un socle unique de compétences, de culture, de savoir qu'on va tout le monde à la base. Et puis, sans plus le monde toujours rappeler, nous avons pratiquement 80% enseignants qui besoin pile l'autre travail puis t'a fait puis t'a mérité dans la salle de classe. Jodian, deux points pour me rappeler avant de passer dans la présentation dans concret, c'est que Jodian, contrairement à ça moi-même comme observé pour expérience internationale moi, côté que ou pas même quand dans un syndicat d'enseignants sous pas un permis d'enseigner que l'État autorise à entrer dans la salle de classe, Jodian malheureusement ça pas fait. Aucun enseignant n'a pas une autorisation formelle papier ça de l'État, à part l'aide qui dit que le gain doit entrer, hein, mais permis d'enseigner, à part les enseignants du secteur public, sont autorisation spéciale que vous avez pour dire que vous avez une compétence morale, compétence technique et tout le reste qui permet de courir dans la salle de classe. Et que je dis en tout, le pourcentage d'école qui ont permis de fonctionnement, ou bien que le ministère en bail, ou bien que l'IA jour, c'est deux notions différentes, ou bien que la jour, pratiquement, nous avons pile retard. Il n'y a pas à jour aujourd'hui, hein? Ça compte ça qui n'a pas gagné aujourd'hui. Hein? L'autre élément qui parle important, c'est que, nous parlons retourner sur ça, c'est combien de monde qui finit réellement, donc classe d'âge qui finit cycle secondaire qui nous gagne dans l'enseignement général de 13 ans, pratiquement moins que 10%. Pourquoi COVID-19 là, il y a des chiffres qui sont importants pour nous dire quand même tout, c'est que nous gagnons seulement 30% de l'école dans le pays qui gagne installation de l'eau potable, environ 50% de l'école seulement qui gagne toilette qui fonctionnait, pas dit qu'à toilette filles et garçons, et là on a parlé de difficultés que COVID-19 a fait bail, pratiquement, et combien pourcentage de population qui a l'accès à l'électricité, dépendamment du chiffre, c'est environ 40%, et là encore aujourd'hui, il y a bien moins que ça, compte tenu de toutes difficultés qu'il y a ces derniers jours, si ça n'a pas à jour, on a parlé de 2017, il y a bien moins aujourd'hui, qui a accès à l'électricité, à l'Internet, bien moins aujourd'hui, chiffre officiel de 32%, je dis, hein, bon, relation connexe entre connectivité avec énergie, les films moins que ça. L'autre notion pour nous parler qui est extrêmement important, c'est combien comme l'État disposait publiquement pour que le financer secteur éducation. Bon, norme internationale et engagement public Haïti prend, qui dit que l'IPAP dépensait moins que 20% dans le budget pour éducation. Nous voyons que, effectivement, chiffre ça qui est en 2015, nos moments, puis le monde prend engagement pour te pratiquement faire passer de 20% à 35%. Je veux dire, malheureusement, sous point chiffre ministère de l'Éducation nationale, chiffre alloué à l'Université d'État d'Haïti, à tout autre ministère qui gagne et l'école qui a fait la donne, ministère finance, ministère affaires sociales, ministère tourisme, ainsi de suite, tout le budget, ça, je veux dire, lit à peine autour de 10%. Qui ça, ça parle bail et qui ça me voulait dire, je veux dire, dans l'exposé. Moi, je voulais dire que, alors, mon petit image, je me dis, est-ce si on m'a dit, dessinons l'autre école pour Haïti? Dessine-moi une nouvelle école pour Haïti. Eh bien, qui j'aime ouais bagay ça. Première notion qui est importante pour nous, c'est ça me relé équité, inégalité. Premier rêve pour nous de nouvelle l'école ça que COVID-19 in bay, c'est est-ce que nous gagner un schéma l'école qui permet nous construire une communauté de destin. Il pas qu'à faire l'autre gens sans que ce global l'école que nous gagnons, il pas majoritairement dans Haïti, peut-être l'autre pays qui pas subi traumatisme historique que nous gagnons, l'autre pays qui pas de type d'histoire que nous gagnons, peut-être pas besoin de ça, mais pour Haïti nous pensons que nous obligés de gagner un socle l'école qui est majoritairement l'école publique. Donc, il faut inverser tendance là pour nous passer à 75-80% de l'école que l'État, en grande partie, c'est lui qui gère, ou nous font co-gestion de manière plus prononcée et avec en partie dans le secteur privé. Nous avons peut-être que nous avons dit qui n'est pas populaire, mais qui font parler de ça tout. Pour nous arriver à faire ça, pour faire sens pour tout le monde, je dis sur 22 000 écoles que nous avons. Si l'école éparpillée à travers les deux territoires, qui n'est pas soutenable ni financièrement ni académiquement, le même cas des pays qui ont la même quantité d'élèves avec nous. Nous prenons Cuba, même quantité à peu près. République dominicaine, un petit peu moins que nous. Ils n'ont pas dépassé 12 000 établissements, ou public, en grande partie, ou privé. Donc ça veut dire qu'on socle un type de bâti scolaire pour nous. On gère pour nous faire l'école là, pour que le durable financièrement. Je dis, puis l'école privée a fermé parce qu'ils n'ont pas capable de kembe, parce qu'il y a un investissement pour faire pour ça. Deuxième bagaille, en plus de notion d'équité, c'est l'enseignant en particulier. Je dis, elle est extrêmement important. Je ne parle pas de ça parce que je connais un enseignant qui parle de ça.
Mais l'enseignant enseigne d'abord ce qu'il ou ce qu'elle est. Au dépendamment de savoir que le gagnant, si condition la ville, pas permettre-lui pour que lui adopte et épouse sans enseignant ou épouser, c'est normal que la répercuté dans sa classe. La frustration, manquement et tout déficit social, économique que le gagnant. Son point extrêmement important. Troisième rêve de l'école, là, c'est former autrement les leaders, les scientifiques et tout type de citoyens. Eh bien, c'est la notion d'éducation citoyenne et au développement durable. Problème COVID-19 qui fait me dire c'est le premier des vaccins. Je dis, hein, pendant le monde, pas qu'on gagne vaccin, seul vaccin gagne, c'est comportement nous. Le jeune, ils comprennent qu'ils sont capables de faire. Ce n'est pas le monde qui peut demander de faire geste barrière. Ils connaissent pas qu'ils n'ont pas de wash parce que c'est pas. C'est comportement naturel, monde, qui permet de protéger des pays en attendant que nous ayons vaccin. On l'autre bail qui est extrêmement important, son sujet tabou, presque tabou dans la société. Compétences linguistiques. Jeune haïtien, il faut parler toute langue possible pour nos citoyens du monde, mais d'abord son citoyen haïtien, et il faut le maîtriser dès les premières années, que pour le capable prendre les compétences non cognitives, langue maman, dès le départ, pour le capable avancer plus rapidement. L'autre point, c'est le soutien scolaire des parents. Les parents sont entrés, nous t'avons dit, par effraction, un peu plus, dans la question, nous t'avons dit, école à la maison. Là, on a parlé de l'école hybride, c'est capacité pour que parents qu'on lit, que parents qui qu'on lit mais qui blie qu'on lit, qui manque compétences, qui ont problème d'illettrisme, ou parents analphabète l'anjodien, lit obligé qu'on l'autre rôle plus important pour jouer dans nouvelle école ça, que le vle, que le pas vle, parce que forti mon en plus autonome, que c'est internet, que c'est la lacali, que c'est la lab jouer, peu importe côté lien, faut qu'apprendre autour de lui. Peu importe que l'on salle de classe ou pas, c'est pas une question de à distance par internet ou quoi que ce soit. C'est autonomie pour l'apprendre en l'autre gens. C'est ça l'école hybride là. En salle de classe ou en dehors sur la salle de classe, que le connecté par internet, que le pas connecté par internet. Ensuite, c'est la question de collectivité. Je pense que c'est extrêmement important pour nous mobiliser tout le monde possible. Commission municipale d'éducation, l'État central, association des parents d'école, nous pas qu'à faire nouvelle école là, ça que nous avons pas 10 ans pour ça. Ensuite, question que m'a posé tout reste panel ici surtout que m'a posé tête moi et tout citoyen qui j'en pral conseiller jodi en tout bon réussite scolaire là qui pas connecté avec réussite professionnelle avec réussite citoyenne grand pile jeune qui fait tout ça à l'école traditionnelle avant de le faire il étudier il récitait par cœur il passait tout examen pour réciter par cœur et puis il inadapté inapte au niveau professionnel. Ou même le diplôme que l'école a à Bali, à tous les niveaux, l'INAP pour participer et transformer et agir tout bon sous environnement. Donc, pour qui ça pour gagner tout diplôme ça, pour qui ça pour faire tout parcours scolaire ça, et puis ou pas qu'à réussir vivant, ou pas qu'à participer activement pour faire société quand on va vivre là, lui faire progrès. En pile fois, c'est monde qui pas passé, qui pas réussi dans l'école scolaire ça, pour qui ça parce que pour réussir la ville, licencier l'école ça, c'est pas là qu'à permettre lui. Il y a une compétence, savoir qui permet de réussir tout bon. Là, l'apprendre savoir ça, l'autre côté qui parle l'école là, en dehors de l'école là, pour que le réussit. Il réussit comme chauffeur camion, il réussit comme chauffeur motocyclette, il réussit parce que la vente et tout ça a besoin de vendre comme produit sous frontière, il y a un leadership qui permet de mobiliser mon autour de lui, il vend à l'extérieur, il marche, il partit là en Chine, au Panama, il fait ça pour le faire pour réussir. Compétence pour l'école là, t'es balayé pour réussir. Il apprend ni de par lui-même, il pas apprendre l'école. À qui ça l'école traditionnelle a servi, si c'est même l'école ça nous pas l'ouvert. Pour me finir, qui route pour nous prendre pour nous arriver vers nouvelle ouverture de nouvelle école ça. Si c'est même nouvelle école ça nous voulons ouvert, l'école même côté réussite scolaire pas permettre réussir, que nouvelle demain, que nouvelle année prochaine, on pas une grosse différence personnellement. On pas vrai by date, même pas ces étapes cruciales qui pour remplir tout ça. Premièrement, faut mobiliser tout village là autour de question ça. L'école ça, même on qu'apprendre, pas apprendre ça qu'utile pour réussir la ville. Donc, faut qu'on dialogue pour rééduquer la société à sous ça. Deuxièmement, enseignant yo. Pas aucune école qui a ouvert, aucun pays, sans ou pas repréparer enseignant pour nouvelle normalité ça. Premièrement, faut qu'il y ait moyen économique pour faire ça, puis qu'on prenne taxi, y a dans l'école là, puis qu'on capable préparer tête yo. Faut possible. S'il pas qu'à décréter, faut enseigner, faut le motiver pour tourner l'école là, faut le préparer académiquement pour nouvelle normalité ça. Il y a pas des technologies, il y a pas des pour étudier élève la plus autonome. Est-ce que le préparer pour nouvelle pour l'école ça? Et puis après troisième non, faut poser la vieille question. C'est pas passif.
Nous, dans le 21e siècle, combien de focus group nous faisons avec les élèves pour nous demander qui j'ai vu la situation de confinement, qui j'ai comprendre COVID-19 là. Ça, vous voulez apprendre. Échec l'école, ça, c'est parce que nous ne pouvons pas parler avec vous. Nous disons qu'il faut intégrer dans leur savoir, mais c'est nous-mêmes qui avons intégré. Non, ce n'est pas des passifs qui ont ingurgité le curriculum que nous imposons. Ils sont supposés même participer à la redéfinition de l'orientation curriculaire, là, peut-être eux-mêmes. Et avant-dernier point, c'est question, on a dit, établissement de l'école. C'est très clair. Moi, j'ai préparé en grille pour me montrer très clairement. Nous n'avons pas ouvert l'école là, n'importe qui gens. Tout pays définit une cartographie de risque en fonction du niveau de transmission virus là, par localité, pour définir selon s'il rouge, s'il orange, s'il jaune, s'il vert, qui type de l'école nous avons ouvert, selon couleur, effectivement. Qui j'ont à gérer le protocole sanitaire qui n'est pas capable, même pour toute l'école, parce que le niveau de risque qui est associé à qui quantité l'école qui a fréquenté l'école, combien de vacations qui peut admettre, qui distance moun ak moun, est-ce que y a un côté pour obliger un thermomètre pour capable prendre température moun yo, qui j'ont à gérer la question de cantine scolaire. Donc, ou y a un paquet d'autres façons pour réagir, pour répondre à la question risque là. Et dernier point, c'est l'un décide ouvert, ce n'est pas même l'école là pour nous ouvert, même si ça prend plus de temps, pour y ouvert là pour nous faire même type d'examen. Pour nous faire même type d'évaluation, pour nous classer, noter, bayon notre examen qui pas au pile sens. Qui t'a le fait, mais prends temps pour nous bien faire, bouscule les chantiers curriculaires là. Comment se fait pour nous justement à sacrer l'école hybride là, suspendre faire théâtre comédie avec l'école pour nous faire, nous obliger à prendre l'autre route. Réforme qui t'a commencé, nous obliger à continuer. Nous pensons que nous ne pouvons pas loin sans que nous pas aller faire toute étape ça. Merci, cette intervention dans ça. Madame Alex, microphone fermé. Ah, désolé. Ma pire est souli, mais il chape. Désolé. Donc, très rapidement, professeur Maniga, dis-nous, nous n'avons pas fou et que y a nécessité pour l'école là préparer pour réouvrir un autre genre. Parce que le genre n'est pas fonctionné là, il n'est pas bon. Même si nous avons une nouvelle, eh bien, nous avons tombé dans la même forme que nous avons. Parce que nous pas préparé pour nous faire face à ça que nous avons joué nous. Réussite l'école là pacifique pour réussir pays ni société là dedans, donc c'est pour ça que COVID là c'est peut-être une opportunité pour nous repenser forme compétences nous devons développer qu'Haïti nous yon à jeune. Mais pour ça fait c'est pour nous garder réalité l'école ça nous gagne là journée aujourd'hui dans pays là. Et puis pour nous prendre décision à disposition pour nous changer mode fonctionnement l'école nous. Donc question permis enseignement, question formation professeur, question infrastructure, budget, éducation, tout ça, c'est des points que professeur Maniga passe en revue et pour l'aboutir à une proposition modèle, ça, nouveau l'école pour Haïtien, Tadoué. Grand pile l'autre point encore, mais nous quittons pour question, même parce que grande ligne là, et nous avons formulé question, nous, l'on a prouvé micro pour nous permettre, nous, pour nous poser, et puis pour professeur Maniga spécifier pour nous des points que nous avons aimé plus précision sur. Tout de suite, nous allons passer la parole à professeur Pierre-Eddy César. Professeur Pierre-Eddy César, c'est professeur dans le domaine éducation dans l'Université Kiskeya, c'est vice-doyen faculté éducation et c'est directeur adjoint centre de recherche en éducation et Université Kiskeya. Il est responsable master que nous faisons en double diplomation avec l'Université Paris-Est-Créteil. Son praticien chercheur qui est engagé dans des pratiques pédagogiques innovantes. Il parle pas de nom de ça. Professeur César a publié plusieurs ouvrages, articles sous question ça. Et article qui plus récent il publie un relais la systémique levier de l'innovation pédagogique. Publié dans un ouvrage que il co-dirigeait avec des autres professionnels. Et titre ouvrage c'est professionnalisation, innovation et apprentissage en Haïti, levier de développement. Article client qui l'a livre en format numérique que l'université Kiskeya a sorti et nous a téléchargé et que nous a téléchargé sur le site web université l'adresse www.unique.edu.ht
Eh bien, petit article ça que le professeur César écrit avec le professeur Marcel Paria et Pascal Lafont, qui sont des professeurs de l'Université Paris-Créteil en France. Petit article là, c'est crise au pluriel. Hein? Crise et dépassement entre épreuves et opportunités en Haïti. Crise et dépassement entre épreuves et opportunités en Haïti que nous allons lire, puisque l'ouvrage est en accès libre. Nali et nous avons des questions sous plateforme universitaire pour tout contributeur et contributrice qui répond à question même après et semaine ça et activité en ligne. Tout de suite, professeur Pierre-Édith César. Merci beaucoup. Par contre, si tout le monde bien adem. Oui. OK. Mais même et avant de commencer, moi je voulais dire que nous prenons l'intervenu, surtout, sous éducation avec société. C'est par rapport à ça que nous voyons à travers COVID-19 et réaction que nous voyons qui gagne dans la société. Et c'est surtout à travers un paquet de bagages qui était là, mais que COVID-19 là, vient mettre à nu. Et ça permet de faire un petit saut. Pour me commencer avec une anecdote. Une anecdote qui, en lien peut-être pas direct avec le sujet, mais je pense que la est important pour moi entrer dans le tissu social là que COVID-19 vient mettre à nu. Vendredi 17 juillet, je suis sorti de l'université Kiskeya pour aller à la Cagne. Pendant que je suis allé, je suis arrivé à Blockchain Mars, je suis un groupe de monde qui réunit. Moi, pour m'intéresser, moi, j'étais derrière dos un chauffeur qui t'a conduit en taxi moto. Et moi, des chauffeurs taxi, qui ça le pensait capable de faire tout groupe de monde ça là. Monsieur répond moi, ah, son assurément, son paquet d'épave qui pas gagné et pour le régler, qui vient balancer en milieu sous place là. Moi, Pavla, li sonne fort dans les oreilles. Et demande le chauffeur pour le camper. Moi, payé, monsieur, et puis, mal regardé qui s'est passé sous place là. Mais, nous t'a peut-être étonné, mais il y a deux raisons qui te justifié l'attitude moi. D'abord, pour mal la caille moi, parce que moi, j'étais greffier, avant de m'arriver, il faut demander comment portail est organisé avec Matissan. Parce que l'OA prend direction sud, ou doit questionner droit de passage. Ni leur praler, ni leur tourner. Et deuxième raison, je me pose peut-être une question, pour quelle raison, M. Rélé Mounza ou Epave? Naturellement, je me pose peut-être une question, qui ça m'y est? Mais même, le, par façon que nous vivons, on comprend moins rapidement, et là, je me pose peut-être une petite question. Le, ou dans l'homme qui balance toute vague za yo, et ou a posé tête aux questions, c'est qui est-ce qui est épave, qui est-ce qui pas épave. La première point ma coûte et pour moi capable rentrer dans le sujet que m'envie rentrer là parce que moi t'as plus envie dit c'est on épave qui fait expérience COVID-19, c'est comment que capable. La première point dit nous que on épave, ils apprennent un paquet de définitions, c'est un bagage ou joine qui est abandonné, on en met, mais qui est jeté sur le bon rivage là. Yon épave, c'est un bagage qui n'est pas bien mettre. Yon épave, c'est ça qui était après une catastrophe, en ruine. Et on épave qui est capable de témoigner de la grandeur qui passait. Nous sommes capables de yon épave tout, yon machine qui fait accident et qui pas réparer. Et yon épave, tout dans le sens figuré, c'est un monde qui tombe dans une extrême misère, qui tombe dans malheur et qui dans un état de déchéance. Et bien le samedi, épave ou épave, va me rentrer dans la colonie épave Zayo qui était sous champ de masse. Mais l'homme bouche plus près, moi tendez un nègre qui a fait discours. Et m'a dit textuellement ça que monsieur te dit après alors et dans
dans ce temps que fait pendant 30 minutes là, m'a dit qui ça monsieur te dit. Monsieur dit est-ce que nous croyons dans d'autres chiffres ministre santé Jovenel là. Monsieur en sérieux. D'après nous-mêmes, est-ce que combien de monde qui peut avoir coronavirus en Haïti? Monsieur continue. Je parle que tu as deux ou trois personnes qui sont un peu à l'aise, mais qui peuvent descendre sous terre, qui est épargné. Et monsieur continue, Haïti choisit immunisation collective sans que les pas gagnent d'abord en pensée collective. Grâce à fait gingembre, l'ail, la loi qui gagne dans sous terre noire. Et il continue pour le dire que d'ailleurs, réponse peuple là, le la transport public, le bras le marché, et lui poser question à moun qui t'attend de lieu. D'après nous-mêmes, peuple là c'est bête, libette. Le temps de ombrisam, li courit, et l'on parle de coronavirus, li rio. Et monsieur conclut pour le dire que c'est une maladie pour moun qui t'a déjà malade. Et monsieur conclut encore, grâce à pauvreté nous, moun qui alors c'est tout moun qui est doué mourir d'être mouri déjà et moun sa yo yote mouri depuis que diable de caporal moi font ti camp monsieur pour me poser en question malheureusement te gen un modérateur et me dit tande tout parole moi mais moi te un peu tracassé par l'idée que me t'a pas le prendre portail et puis pour me te passer matissant pour me prendre l'autre moto. Mais pour me faire qui ça pour me donc pour me passer prendre machine moi que m'étais quitté Delimart pour donc en général depuis près de 8 mois c'est comme ça nous fait la feu dossier nous passer par que dans Delimart et puis nous faire reste route là sous moto n'a comprendre rapidement le nous faire route là sous moto eh bien nous passer dans la boue. Nous prenons toute l'eau sale qui est dans la 3e, 4e et 5e avenue, et puis nous arrivons dans le centre-ville. Avant de rentrer dans la cause que nous voulons entrer, à, qui c'est le coronavirus, là, mais il y a un bagage que l'homme pensait à Jean Mouniot considéré Hitler. Le il a commencé à marcher sur le monde. C'est-à-dire tout le pays te dit bon et il y a pas qu'on arrive sur nous mais même moi alors moi souvent posé tête moi en question. Le moi te content des insécurité dans cité soleil ça pas déranger moi trop. Le moi te content des insécurité dans Raboto ça pas prendre déranger moi trop. Le moi te content des insécurité dans la Fossette ça pas déranger moi trop. Jusqu'à ce que l'insécurité li rive sous nous. Et nous avons avant hier là, ils ont bloqué le village de Dieu parce que l'insécurité ça a été rive dans Delma. Que ils ont débloqué le village de Dieu il y a de cela deux jours sans que par aucun lien qui fait et nous allons retomber dans n'importe qui bagaille qui attend nous. Et on pense que c'est presque le même message ça que la pandémie COVID-19 là, voyait pour nous, tant sur le plan social, tant sur le plan sociétal. Par exemple, nous avons regardé qui gens nous vivent en général et on nous regardé comment l'hôpital y a fonctionné. Bon, on nous l'a dirigé. Les malades, on fait malade, les fait on s'y déplacer et puis les prend soin. Mais voilà que COVID-19 là portait en l'autre réalité. Parce que nous-mêmes, nous pensons que l'hôpital étranger donc manque de place pour servir propre autochtones la caillou, eh bien, ils sont obligés de percevoir nous en l'autre façon et à ce moment-là, nous sommes obligés de rester dans notre propre pays. Nous. Et là, je pensais que l'histoire moderne a prouvé que les guerres, les pandémies ont été un moment propice dans la redéfinition du rôle de l'État d'une part et de la redéfinition des sociétés et leur rapport à la solidarité. Et l'école et l'université
doivent pouvoir jouer leur part en avant-gardiste dans la solidarité entre les hommes. Et là, je pense que c'est peut-être un rapport étroit qui gagne entre la société, l'école, et une grosse leçon à tirer de cette pandémie. Et gagne un cas qui est rapporté dans l'hôpital, par exemple. Côté bien deux patients qui étaient malades dans la COVID-19, mais qui étaient morts tout simplement parce qu'ils étaient coupés courant. Et on regarde que pendant très longtemps, nous avons abordé des problèmes et courants, par exemple, et en justement, au grand mot, les grands remèdes, aux petits mots, les petits soins. Donc, ça me le dit pas là. Si, dans la plupart du temps, le pagain courant, nous, alors, qu'est-ce que nous résoudre problème courant avec génératrice, avec inverteur, puis il y a nous trois quoi que c'est seulement moun qui a moyen ou qui résout les comme ça. N'a pas rapporté un cas au monsieur Carrefour qui t'a chargé téléphone. Et puis même monsieur te connait faire, il a dit approximativement 1500 goudes et le mois là chargé téléphone parce que pas rien courant. Et bien qui ça t'est arrivé? Le que il vient ranger transformateur dans quartier là. Mais qui ça, monsieur, fait? Monsieur fait sauter transformateur ça. Parce que tout simplement, on a compris que l'argent ménage là, il résidait dans le blackout l'autre. Et par conséquent, il fallait tout que coûte garder le statu quo de l'obscurité. Et ça, je crois que là, il y a ce que je pourrais appeler un décalage flagrant entre la reconnaissance de l'humanité chez l'autre et la reconnaissance de cette même humanité chez soi et les siens. Et ça aussi, des problèmes fondamentaux que l'éducation doit poser désormais à travers une redéfinition des curricula. C'est qui type de monde que nous voulons former et est-ce que c'est au monde qui a plié intérêt face à une collectivité ou bien est-ce que c'est un monde qui a comprendre que s'il était avec individualité, eh bien, il n'y avait pratiquement aucune chance. Et là, je crois que l'école a cette sacrée mission de rendre compte de ce qui doit se passer dans la société. Et là, nous continuons à travers événements sociaux que COVID-19 l'a touché du doigt, par exemple, nous voyons qui quantité de monde qui était exposé à persécution parce qu'ils étaient infectés avec coronavirus. Il y a des gens qui courent parce qu'ils étaient presque lynchés. Et il y a des gens qui sont plus loin qui même par l'accord que les centres de santé qui sont dédiés au traitement du coronavirus qui est installé dans l'environnement. Mais là, nous sommes capables de poser en question, est-ce qu'il s'agit là d'une spécificité haïtienne ou une spécificité de pays spéciaux du tiers-monde? Et là, quel que soit, je nous appréhende la question. Nous comprenons que cela dénote d'un problème d'éducation grave et toute la société devrait comprendre, d'une part, que l'analphabétisme, ça n'a pas bon pour aucun monde, parce que tôt ou tard, la fini par nuit, les gens qui tolèrent. Et ce n'est pas seulement à l'alphabétisme. Nous sommes capables de dire que nous avons une question tout de l'alphabétisation approximative, qui est encore plus dangereuse. Parce que celui qui ne sait pas, est dans la plupart du temps beaucoup plus dangereux qu'on ne le croit. Donc, est-ce que nous comprenons qu'on l'école qui a fonctionné dans en société, qui n'a pas réagi, qui n'a pas eu le droit de poser des questions pour les liens autour de lui, des gens qui permettent de penser qu'ils sont capables de lyncher leurs propres frères parce qu'ils ont atteint de une épidémie que tôt ou tard, ils ont fini par gagner tout. Nous songeons par exemple
comment dans et dans Fort Liberté on paquet moun et opposé à ce que un cadavre une dame est enterré. Par contre, si tout le monde te garde vidéo ça pour yoé comment à deuil en famille yo exposé incompréhension en groupe moun et moi gontier l'autre exemple que dans le bail à côté de faire par exemple nous songe que bien un monde que yo te courir derrière pour te lyncher alors que dans même côté de faire ça bien un monde qui te gain coronavirus et puis famille avec zanmil entre à prendre en dedans sans isolement parce que yo te besoin soin pour lui yo te dit s'il était en dedans la fini par mourir alors d'aller comment deux poids deux mesures en fait d'un côté il y a couru derrière au monde pour lécher parce que le lien pour le virus de l'autre côté même groupe monde ça qui peut-être c'est capable dans même monde qui a couru derrière l'autre pour yo lécher le bon monde pa yo qui malade yo rentrer dans cette là il y a le prendre et yo même menacé pour yo bouler cette là si yo pas de bail monde là pour y aller chercher la vie pour lui et là n'a comprendre que les curricula scolaires et universitaires devront façonner l'homme haïtien autrement. Et dit l'autre bagaille, je pense que Covid-19 t'a supposé enseigner mais m'a suis bien qui gens et Occident a été avancé avec un paquet de doutes. Alors naturellement, nous tous nous sommes des adeptes de la science. Et mais le nous garder comment monsieur a groupe qui a intervenu soi-disant à chercher médicaments yo, comment yo attaché à industrie pharmaceutique là qui a financé yo à coup de millions et en pile fois ou senti qu'il y a un délaissement de l'homme car c'est donc tout le monde a pensé c'est qui monde qui va joindre médicament en vente et par exemple Gabriel par exemple et Madagascar qui quand même avait osé et comment ils ont été traités et président de tous les dons de bouffons de ubuesques de prétentieux sans que par un mot d'excuse leur rendre compte de évidence que ils ont été mal jugés la comprendre rapidement que universitaire et c'est là on va parler surtout avec universitaire doit comprendre par exemple que lui doit être tête autrement lui doit négocier sa place au monde autrement et récemment m'tap gade comment étudiant université Kiskeya surtout t'a réagi le yo gade dans un classement d'environ 1400 universités dans le monde et puis université pas de mon grain université haïtienne et m'a gade qui genre et avec un pile intérêt que tout le monde a réagi c'est comme si yo t'a fini par croire que l'université en Haïti, ça n'existe pas. Et c'est là oui que nous voulons prendre et comment monsieur Occident yo wè tête yo et alors et yo wè nous dans monde dans tout. Parce que et si par exemple, nous t'a posé problème universitaire à partir de certain nombre de critères. D'ailleurs, là où on a posé problème universitaire avec des critères par exemple d'espace, de fonds de recherche, eh bien c'est donc, on a fini par nous rendre que vous-même, vous n'avez jamais existé. Pourtant, je pense que Haïti, les pays africains, eh bien, il faut apprendre à redéfinir tête nous tout. Il faut être capable de proposer propres critères par nous tout. Car, imaginez, si par exemple, avec 1% de son gagné, moi-même réaliser 50% de son fait, eh bien, pour voler le pavel, moi, 50 fois plus performant que vous. Donc, alors, je m'a dit ça justement pour me dire que nous devons dormir sous l'oreiller, nous, que nous ne devons pas avancer. Non, mais non. Mais il faudra aussi que nous imposions nos propres critères. Car, bon, série de critères là, que vous proposez, que vous-même, vous ne pouvez jamais atteindre. Alors que,
ou quand même donc gagner des mondes que vous formez qui valable et dans plusieurs domaines. Donc nous croyons que COVID 19 là rien qu'à ouais comment gros pays yo taille yo donc une place de choix dans les grandes décisions du monde et avec raison. Ouais. Donc c'est pas dit musique pour nous chita pour nous mais non mais donc tout pendant la travail pour nous améliorer standard nous nous foubi nous corriger nous refondre ça donc nous refondre ça qui doit corriger eh bien nous croyons que là et nous devons désormais apprendre faire tailler nous tout en place donc et dans l'agencement du monde. En d'autres termes, qui ça que nous capables dit, on ne peut et on ne pourra jamais aller à la rencontre de l'autre si on ne s'assume pas. Et on peut ne pas s'accepter tel qu'on est en espérant une version revue, augmentée, corrigée de soi, mais il faut s'assumer car on ne vous fera pas de cadeau. L'on comprendra ainsi que l'école doit repenser le type de société dans laquelle elle veut évoluer et vice-versa, en repensant promptement, régulièrement et périodiquement ses rôles, ses fonctions, ses curricula, ses critères de réussite et son organisation. Et c'est là qu'intervient et interviendra l'innovation pédagogique comme levier incontournable au changement de la société telle que nous l'a imposé le COVID-19. Merci. Merci, professeur César, pour très belle présentation. Ça. Très rapidement, professeur César fait une présentation pour nous sur la société éducation. Il y a des aspects qui sont dans le texte, qui sont dans le livre que l'on a abordé, mais nous allons bien au-delà. Parce qu'à travers récit quelques expériences que l'on vit personnellement ou bien que l'on observe dans différents quartiers dans votre province, professeur César a posé quand même des questions qui sont fondamentales sur comment nous est tête nous, comment nous est l'autre monde, qui rapport nous gagne à tête nous, qui rapport nous gagne à l'autre monde, inscription nous dans le collectif là, et puis type de rationalité qui à l'œuvre dans la société n'a vivre là. Il souligne pour nous tous que pandémie dans l'histoire de l'humanité souvent permet de se repenser tête et puis prendre l'autre direction. Donc c'est peut-être un moment pour nous peut-être pour nous faire sauter là. Pour nous prêter attention à langage n'a utilisé comportement nous par rapport à une autre intérêt individuel je nous gérer par rapport à intérêt collectif là nous besoin l'autre l'école pour nous faire ça ou l'école qui paraît faire son qualitatif qui nécessaire pour offrir jeunes haïtiens yo ti moun jeune yo ou l'autre forme éducation qui permet yo faire travail ça penser tête yo penser collectif nous la donne là ou l'autre l'école qui permet tout haïtien comprendre penser apprendre créer. C'est meilleure garantie pour le développement et pour nous tous qui vivre bien. Merci en pile, professeur César. Question à venir nous après, parce que le public est là, la suivre. Nous tout de suite prêts à passer la parole à professeur Magali Georges, qui est secrétaire général de la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs en Haïti, CNE. Magali Georges, diplômée de l'École normale supérieure, donc son éducatrice de carrière, hein, commencé carrière de Biani 1985, enseigné dans l'École nationale, dans l'École privée, elle était directrice de l'École république des États-Unis, elle directrice toujours, elle commence depuis 2006 et jusqu'à présent, elle est directrice de l'École ça, elle est membre de l'association des éducatrices et éducateurs de Port-au-Prince, l'imam CNE depuis 1986, ça fait troisième mandat comme secrétaire général. Au niveau national, Madame Georges, c'est coordinatrice du comité de promotion des éducatrices d'Haïti, et qui a occupé question problématique genre, au niveau CNEH. Et Madame Georges, prend décision ministère de l'Éducation nationale pour reprendre l'école là à partir de 10 août. Donc, nous allons attendre Mme Georges tout de suite la présentation. Mme Georges. Et bonjour, Mme Alexis. Vous m'entendez? Ça va? Très bien, on vous entend. Oui, oui, donc excusez-moi, je ne suis pas diplômée de l'École normale supérieure, mais plutôt de l'École normale de Port-au-Prince et qui
à l'époque et se trouvait à Martissant, là où se trouve le CFEP de Martissant. Le CFEP, merci beaucoup. D'accord, École normale de Port-au-Prince, d'accord. Donc, m'a profité pour remercier l'Université Kiskeya pour l'initiative ça que je prends et pour l'invitation ça que je fais pour participer dans le webinaire. Ça. Donc, en pile bagaille pour me dire, mais je seulement reprendre la directive internationale de l'éducation. Internationale de l'éducation, et CNEA, c'est membre fondateur international de l'éducation, c'est un syndicat mondial qui regroupe 30 millions d'enseignants et dans 394 organisations et dans 171 pays et territoires. Et donc, je m'appelle rappeler tout que CNEH tout, c'est fondé depuis le 13 avril 1986, il y a dans 13 fédérations et 85 associations communales un peu à travers le pays. Donc, malheureusement, il y a un problème vidéo. Je t'ai montré ça, un ensemble d'organisations à travers le monde, dont le Partenariat mondial en éducation, international de l'éducation que nous membres et l'Organisation internationale du travail, qui m'a dit qu'il y a un cadre qui gagne sept dimensions pour l'école t'a ouvert. Sept dimensions, ça y est. Premier, c'est dialogue social, la communication, bien entendu, moi déjà voyé et ça bah université Kiskeya sous PowerPoint, sécurité et santé, bien-être psychologique et socio-émotionnel des enseignants et préparation des enseignants nous gagnons tout déploiement droits et conditions de travail des enseignants, ressources et investissements financiers, et puis suivi et évaluation. Donc, c'est comme si c'est des étapes pour nous franchir, pour nous arriver dans ça. Donc, avant de commencer à parler de directive internationale de l'éducation, on a retourné dans le contexte année, ça, l'école, ça. Donc, année l'école, là, nous avons commencé en septembre 2019, bien sûr. Mais depuis, nous avons dit, à la papote, à l'école, là, nous avons déjà une crise économique. Et le professeur Sot parle là déjà de crise et sécurité en tout. Problème qui était déjà gagné, Matissan, La Saline, et Marchand des Salines, Petite Rivière de la Tibonite, un peu partout à travers le pays. Il y a un paquet de Simon qui n'était pas prendre chez l'école. Okay? Mais deux semaines après l'école, là, tu es ouvert. Nous vivons une grosse crise économique, excusez-moi, une grosse crise politique, ça a ici en les pays l'autre là, qui te fait, Timounio, je fais 3 mois, je suis à la CAIO, donc septembre à décembre. Et en mars, le gouvernement lui-même décrété état d'urgence sanitaire, lui demandait pour toute l'école fermée, tout le monde pas réuni, pour gagner plus monde, donc là encore, fin de question. Donc, quand il y a parlé de réouverture l'école, donc, nous-mêmes dans CNEH, question, même nous a posé, question, tout le monde a posé. Pour qui ça a été fermé l'école, et puis pour crise sanitaire, et puis pour ouvrir en pleine crise sanitaire. Donc, c'est ça, question, ça n'a posé. Donc, c'est là tout, moi, je viens garder qui ça, il dit, pas pour Haïti seulement, hein, c'est pour tout le monde. Pour tout pays, pour sous-ouverture d'école, qui ça? Donc, pour IE, International de l'éducation, un dialogue social et politique, tout en continu, on les gagne crise, avec professeurs, avec syndicats, c'est et Roche-Couéan, donc en français, c'est à dire Pierre Angulaire, pour toute stratégie efficace sur l'éducation. Dans la perspective, vous avez l'école. Premier bagage pour gagner, c'est dialoguer parce que ça, nous, dirigeant, le président ou bien le ministre de l'Éducation nationale, vous n'avez pas connaître tout ça, vous avez fait ou bien tout problème qui est dans l'école, qui est dans la société, dans la communauté. Donc, dialogue, ça qui ça la permet
et travailler en éducation qui c'est professeur qui c'est monde qui a balé l'école ou monde qui dans cafétéria l'école tout monde qui a peut être dans celle là évaluer besoin yo définir qui ça et mesure yo qu'a prend dans dans domaine santé et sécurité pour organiser tout ça retour faut qu'il organise ba quoi nous dans cas ça là pas aucun dialogue donc syndicat enseignant yo tout ni ça pas dans syndicat yo c'est dans la presse tout entendre l'école la fermer c'est dans la presse tout entendre à pourri. Et puis deuxième dimension c'est garantir santé et sécurité et communauté éducative là. Nous même là on a parlé de communauté éducative, on a parlé de élèves, étudiants, enseignants, tout le monde et chauffeur bus, monde qui dans abonnement, tout le monde dans la communauté ça. Et ou pas capable prétendre que on va rentrer et on va faire rentrer l'école sans pas gagner des mesures claires pour assurer et santé avec et sécurité ti moun yo et puis pour pas gagner des mesures préventives claires qui prend pour empêcher propagation et virus là pour l'école là par nous foyer de contamination virus là. Ensuite et tout à l'heure et ancien ministre Maniga parlé de et n'ta ka di on aparté donc la notion d'équité donc et COVID là par une raison pour nous continuer et m'ta ka di et faire fossé qui entre différents catégories sociales dans la société a vin pillage donc nous déjà gon l'école qui m'ta ka di et fermé avec des ticlans donc pas gon seule catégorie l'école chaque l'école m'ta ka di c'est selon l'argent selon autorité est-ce qu'on est la ville est-ce qu'on est dans monde est-ce qu'on et ou richesse ou pauvre et puis qu'on y a pour l'en a posé problème réouverture problème équité à pas là donc paquet monde par exemple mais on t'a prendre et OMS dit par exemple il y a des monde qui plus vulnérable par exemple monde qui dans troisième âge monde et qui fait qui diabétique monde qui hypertendu et bon bah qu'on est qui ça fait ou par exemple si monde qui asthmatique et qui disposition prend pour m'ta ka di éviter mon paquet si monde qui quitter l'école ou bien gon paquet travailleur en éducation qui pas ka reprendre travail et dans moment ça. Ensuite c'est soutenir le la et toujours ça soutenir le bien-être psycho-émotionnel. Donc santé mentale ti moun yo. Par exemple, nous connaît même si gen des moun ki kwè parce que maladie va fait en pile dégâts en Haïti, mais comme si ti moun yo pa frappé, mais gon paquet ti moun maman ak papa yo à l'étranger, en République Dominicaine, au Chili, au Brésil, aux États-Unis, au Canada et gen des en pile nouvelles de moun ki preti moun yo, soit ki mouri en Haïti ou à l'étranger. Donc qui assistance et psychologique assistance psychosociale il y a pas le bail et professeur ou bien ti monde qui dans tout problème ça yo et puis ou pas ka prétendre tout ou approuver l'école sans pas faire on t'a ka dit professeur yo confiance sans pas faire direction l'école yo confiance parce que c'est celle direction l'école yo c'est celle enseignant yo qui ka konn réellement vrai qui j'ai pas abordé rentrer l'école là. Donc c'est direction l'école là qui a dit qui côté me tayer dans programme là, qui ça me bral faire pour me rattraper. C'est professeur quand dans salle de classe là qui ca connaît qui Jean Libral t'a ca dit rééchelonner programme ni qui ça le bral faire pour lui t'a ca dit rattraper bon temps perdu même si il y a des monde qui croit que gagner l'école qui travaille en ligne et moi même expérience dans l'éducation ça fait plus que 30 ans expérience en tout et avec des petits professeurs qui dans l'école ça yo di yo et ou bien des petits voisins voisines qui dans l'école ça yo di yo bon et ça gagne un gros débat pour faire sous lui soit fait et travail en ligne l'école te boucler l'école en ligne et programme en ligne même si nous gagnons au ministère de l'éducation nationale qui m'ta ka di c'est ça ou la pour modèle ba ka comprendre ou ka prendre exception comme pour faire généralité donc
Même comme c'est syndicaliste, bien d'accord avec, mais quelle question de droit et conditions de travail des anciens. Moi, j'ai un petit tableau là qui montrait analyse et données sur salaire de base professeur Ossoti 2013 rivé 2020. Donc, tableau ça montrait que nous avons dit professeur carrément tombé dans une pauvreté extrême. Vraiment, et salaire de base enseignant dans le public là, il vaut exactement enseignant alors en fondamental, premier, deuxième cycle, il équivaut à environ $118 américains. Il équivaut à environ $118 américains, alors que même salaire ça, en 2014, il était environ à peu près $200 américains. Ça veut dire entre $200 et $240 américains, alors que Kounia livre $118 américains. Donc, nous capons pas quelque autre bagage. Donc, Kounia garde inflation. Il y a des gens qui disent 20%, il y a des gens qui disent 25%, mais ce n'est pas domaine moins. Et bah on a le taux d'inflation, dévaluation de la goutte, tout le monde fait ça ou vle sous marché, tout le monde mette prix ou vle, monte prix ou vle, même taux d'eau là, chaque côté, et mette le genre vle. Donc, kounia, professeur, carrément dans l'extrême pauvreté, et m'a parlé de professeur dans l'école publique, yo. Si m'a professeur dans l'école privée, yo, que en pile moun yon parle de yo, professeur dans l'école privée, yo, salaire yo situé entre, en tout cas pour premier et deuxième cycle fondamental, en tranche ça, entre 2000 goud et 25 000 goud, ça va dépendre de qui côté professeur aille. Est-ce que c'est un professeur dans l'école presbytérale ou bien est-ce que c'est un professeur dans l'école congréganiste en Port-au-Prince? Est-ce que c'est un professeur dans l'école privée dans le corridor ou bien est-ce que c'est un professeur dans l'école et public? Donc, ça a l'air dans le privé, qui est en pile monde remet, professeur est touché entre 2 à 25 000 goud. Donc, si bien comprendre, pas gen aucun garanti que on paquet l'école si on t'a ouvert le 10 août que professeur yo a tourné travail et me connais des cas déjà des moun qui dit on va tourner travail parce que pendant toutes deux époques soit pays lock pour raison politique ou bien les fermé pour crise sanitaire professeur ça yo pas recevoir salaire. Ça veut dire en Haïti on professeur dans l'école privée pratiquement à peine s'il touchait 3 ou 4 mois salaire pour toute année. Donc, m'pa comprendre comment ou cap mande une catégorie travailleur comme ça qui pendant quand même pendant tout temps ça professeur yo continue manger, yo continue gen kay pour yo payer comment sans aucune négociation, sans aucun rien ou cap mande ou catégorie travailleur ça yo reprendre travail. Donc qui ça professeur yo attend dans grande majorité professeur yo attend que gon pas fait ou yo commencer appliquer ou connaît par contre si auditoire là comme ça gen un article gen arrêté qui fixe statut particulier professeur de l'éducation qui sorti dans moniteur le 21 mars 2014. Et gouvernement ça wolli c'était commencé préparer loi d'application dont une qui professeur remet en pile c'est au capitaine et yo l'aptan c'est une grille de salaire qui a consacré ancienneté avec qualification. Consacré ancienneté pour qui ça? Par exemple, kounye a dans système, dans système nous professeur qui jeune lettre nomination semaine ça, ou après salaire li plus qu'un professeur qui était nommé époque monter rentrer dans enseignement en 1985 ou 1986. Donc, quelle que soit qualification, gen kounye a, soit travail dans préscolaire ou son petit professeur, même son bon doctorat, soit travail dans reto ou dans philo ou bon l'autre et salaire. Donc, nous même c'est ça n'attend. Et puis pour ouvrir l'école, faut gen des ressources. OK, ça va? Non? Vous m'entendez? Oui, parfaitement, Madame Georges. Il vous reste 3 minutes. Allez-y. OK.
Donc, qui qu'on y a là, ressources financières et investissements? Qui investissement fait pour l'école là? Et nous toujours pour l'école dans le lycée Pétionville, 5000 timons. Ça veut dire pour ouvrir là, dans condition pour respecter pas même et on t'a dit 1m50 ou bien 1m. Non, en tout cas pour timon yo une pas coller sur l'autre, faut ta faire 9 autres lycées. Ça veut dire faut ta faire 9 autres lycées à un effectif de 500 timons et pour ta cap plus ou moins respecter et principe là. Qui investissement fait par exemple pour équiper et pour activer protocole sanitaire que moi un protocole qui dehors. Qui mesure on va prendre par exemple pour mettre de l'eau dans l'école par exemple, et l'État va assurer que l'école a de l'eau. A fait de l'eau dans l'école là jusqu'à présent nous te voyons dans le tableau et professeur Manga il parlait de ça de l'eau bloc sanitaire dans l'école qui ça il a fait bon paquet disposition qui prend qui budget ministère éducation nationale gagne justement qui est à et qu'il y a COVID-19 là pour aider moins de dégâts faits dans le système non les minorités de l'école. Est-ce que le ministère de l'éducation nationale croit que le professeur de l'école va gagner pour dit syndicat va gagner pour dit parents va gagner collectivité territoriale yo hein maire yo kazek azek dans zone côté l'école yo gagner qui ça yo dit qui ça vous pensez qui ça va faire. Donc, ce n'est pas qu'une question, nous n'avons pas de réponse. C'est ça qui fait, nous avons parlé de ça. Mais tout nous avons marché pressé, tout pour question évaluation, pour question examen. Donc, nous-mêmes nous disons, bon, évaluation, ce n'est pas qui après, au fin, font activité dans n'importe quel domaine. Comment on va comprendre de tout le monde, nous avons dit qu'il pratiquement fait 6 à 7 mois. Sans aucune activité d'apprentissage, et puis nous avons parlé de l'évaluation. Donc, nous retournons encore à la direction d'école. Pour qui ça? Et tout problème. C'est parce que l'État haïtien, tu as dit, j'en lague l'école, chaque nouvelle école, et j'en roule. Donc, il n'y a pas de confiance à mon capitaine qui dans le système, qui fait tout problème. Non? Donc, je parle de l'évaluation de monde, mais tout. Faut que nous avons dit une évaluation de ça là tout pour nous avons dit ajuster faire un paquet de bagages pour nous permettre que Timon retourne l'école et dans des meilleures conditions. Qui nous avons dit qui gros travail qui fait ce curriculum là comment nous pas ajuster donc bon pile bagages qui pour faire qui pas jamais fait donc c'est ça qui fait et nous gagne tout et préoccupation ça nous a tout questionnement ça donc en conclusion qui ça nous pensait nous-mêmes nous pensait que li vraiment c'est un danger lié question voici l'école à tout prix pour nous capable dit monde à boucler année sans aucune mesure prévention qui prend pour réduire risque pour transmettre maladie dans l'école yo sans nous pas faire aucun rien pour améliorer conditions de vie, mounyo, conditions de travail et pour tout mounyo, conditions d'apprentissage. Et c'est ça nous pensons. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Madame Georges. Bon, rapidement, grande digno pour nous passer dans le débat, rappelez-nous pour nous préparer les questions. Pour Madame Georges, l'école enfermée sous une crise sanitaire. Crise sanitaire a toujours là, or nous constatons que le ministère de l'Éducation nationale a un marché pressé pour réouvrir l'école là pendant le mois d'août. Madame Georges, pensez que l'État ici doit considérer la directive IEO qui a 6 points là-dedans avant de faire ça. Donc, 5 points aussi engager un dialogue politique et social, garantir question santé et sécurité communauté éducative, question équité, question prise en compte bien-être psychologique et émotionnel et communauté éducative là, avant sa fête et puis impliquer professionnels éducation yo l'en décision yo pour et yo ka aller dans sens qui pi bon ni pour communauté éducative là ni pour élèves yo ni pour parents. Madame Georges insiste en particulier sur le fait que réouverture l'école là pas qu'à faire sans réflexion très sérieuse. Sous question équité sociale, inéquité sociale. Son question nous doit aborder frontalement.
COVID l'a fragilisé plus toujours catégorie qui plus faible, qui vivent dans plus précarité, que ce soit élèves, familles, professeurs, dépréciation goud l'an, inflation, professeurs qui pas touché ni pendant pays l'autre, ni pendant COVID l'an, tout ça la guerre plus moun nan grand groupe. Donc, professeurs ont appris dans l'État, initié un dialogue avec eux, parce que question éducation, ce n'est pas question l'État dans le sens gouvernement seulement, c'est question l'État dans le sens toute société, hein, et de manière plus générale. Donc, trois magnifiques présentations pour journée. Hein? En pile question, donc nous allons ouvrir le micro pour le public qui l'a déjà, pour le public qui est sur web là, pour question qu'a posé et puis pour nous qu'a pendant 30 à 40 minutes encore faire débat, discuter avant que nous allons sur site Université Kiskeya sur www.unique.edu.ht pour nous télécharger livre qui gagne pour titre Haïti et le COVID-19, des outils pour comprendre et agir qui publie en format PDF sous direction professeur Jacques Luman qui aborde quatre grandes thématiques, santé, gouvernance, économie et société. Réflexion plus que 30 universitaires qui, malgré moments difficiles na vivre, ont fait Foshita et puis poser pour proposer nous des bagailles qui pour permettre société de réfléchir, aller plus loin et puis prendre décision qui est bon pour tout le monde. Micro ouvert, question yo. Équipe technique. Oui, les micros sont ouverts, donc ils peuvent lever la main lorsqu'ils veulent intervenir. Donc, pour moi qui sous Facebook, yo, alors, non, nous n'avons pas des invités dans la salle, mais pour moi qui sous Facebook, yo, sur les réseaux sociaux, yo, nous avons toujours écrit des questions en bas live, il y a des gens qui ont fait relever et puis nous avons posé des questions pour les panélistes qui ont interagi avec. Professeur Jacques Luman, recteur université Kiskeya, il est avec nous. Il même tout, il a gagné deux, trois mots, il voulait ajouter à quelques questions qu'il voulait poser. Donc, s'il voulait commencer. Oui, merci Darlene, mais capable de dire un mot, si nous prenons la parole. Vous avez la parole? Oui, oui, allez-y. Ok, bon, je dis bonjour tout le monde, je félicite les panélistes pour qualité présentation ça puis modérateur là tout pour faire respecter le temps de parole et puis font pour animation donc vous faites mieux que vous faites en place où. Merci et puis compliment et bien content d'être sous scène là et avec public là ça donne même chance de recevoir un paquet de questions qui je me directement là et c'est des questions pratiques de parents et de professeurs d'école et ben, il semble que la question Magali pose, oui, là, parce que fondamentalement, il y a un problème ça qui pose. Et nous comprenons que Haïti, même Jacques, tout notre pays, fait face à un gros défi aujourd'hui. Un arbitrage qui est pour faire entre exigence de protection des populations contre la propagation du virus là et exigence de qu'un pays a la capacité pour produire bien un service, pour capable créer une richesse pour payer pas une plus pauvre. Donc, une balance qui est pour faire entre deux exigences. Et ce qui semble inquiéter les familles ici, c'est ça me dit, qui semble être une sorte d'incohérence dans l'action publique. Les gens, pour les gens arbitrage ça a fait. Par exemple, où l'ouvrir frontière pendant que l'école fermé toujours. Ouvrir frontière, c'est ouvrir frontière d'abord sur Floride, pendant que la Floride, son siège est important de progression de pandémie. Pour quitter l'école fermée, ouvrir usine. Donc, vous n'êtes pas en condition pour exposer au davantage à virus là, pour apporter la caille, la pépote de la famille. Et où l'ouvrir au nid, côté tout spectacle, là, ouais, chaque jour, on a regardé, c'est pile sous pile, et on paquet de monde à le faire. Et accumulation devant bureau ni pour faire quatre. Et c'est le gouvernement même qui fait quatre. Et même gouvernement, ça, pour ce de mesure, côté, il a posé des restrictions dans la quantité de monde qui a rassemblé. Dès le fait, mais pas plus que cinq monde, même tribunal fait même.
Donc, c'est toute incohérence là qui met les familles dans une situation d'inquiétude. Là, on dit qu'on va ouvrir l'école 10 août pour deuxième année avec terminale et 17 août, toute l'école l'ouvre. Et ces questions, ça n'a pas imposé. Tout le monde va porter masque. Qui garantit distance physique pour le respecter? Si on a fait tout jeune avec masque dans la figure, et c'est Jean-Marc tout à l'heure, condition environnement pour lavage des mains, bon, pas de l'eau, pas d'électricité dans toute l'école. Alors, question, ça revient souvent sur nous là, et il augmenter méfiance société, éducateur en particulier, par rapport à l'État. Est-ce que Panel second réponse sous question faisabilité concrète ouverture de l'école pour tout le monde dans 17 janvier là? Est-ce que vous considération spéciale pour tout le monde qui n'a qu'un kindergarten, tout le monde qui a 4-5 ans qui est beaucoup dans l'école fondamentale? Est-ce que là mes Panel second va un petit éclairage sur ça? Merci, M. Lumard. Question pour Panelicio. Proposition, gestion Timoun Piti, gestion Pigrayo. Comment nous est ça? Comment rassurer Pigrayo? Est-ce que conditions vous permettent de rassurer Pigrayo? Donc, ouverture pays, hein? Donc un pile point qui est abordé. Donc, qui est-ce qui veut commencer? Bon, Nicab, prends la parole en premier. Comme de commencer en premier. Question ça, c'est la question du moment pour tout le pays en général. Question recteur Jacques Louis Maclan, c'est clair que, et comme éducateur lui-même tout de carrière, et nous tous qui sommes panel là, nous, à aucun moment, et moi quand je parle vous tout pour dans ça, c'est pas une volonté pour dire l'école pas doit l'ouvrir ou pas qu'à l'ouvrir. C'est qui ça pour nous faire pour l'école là pour possible pour nous faire. Parce que nous connaît le timounio chita la kayo et risque ça gagner de régression, risque ça gagner pour désapprendre, risque ça gagner pour déconstruire. Et peut-être c'est ça l'école là, mission l'école là gagné pour socialiser, pour transmettre des savoirs, transmettre des valeurs. Pas rien de nous là qui voulait que l'école là était fermée. En plus que son droit que lié. Ceci dit, question, nous pas capable poser comme responsable. Moi-même personnellement, moi position publique depuis 2 avril sur question ça. Et m'a mettre casquette internationalement comme et même conseil partenariat mondial pour l'éducation n'a supervisé nous n'a pas professeur observé. Maniga, désolé ma fond un peu en communication, mais apparemment masque fait que voix plus sourde que tout à l'heure, donc peut-être sans masque. OK, est-ce que vous entendez bien Ronien? Parfait. OK, parfait. OK, alors très rapidement m'a dit que tout professionnel qui sous éducation qui sous panel là, nous pas gain aucune question ça qu'on a posé, hein? C'est pas pour dire pour l'école pas ouvert. C'est qui ça pour nous faire pour nous assurer que l'école a ouvert, parce que nous connaît le timon yo chita la caillou pendant période confinement, gain régression que au fait, gain recul que au fait dans ça, t'as pas prendre dans savoir, dans compétences, dans socialisation, dans tout ça qui mission l'écolier. Donc pas gain nous qui voulait que l'école là était fermée pour casser chaîne régression, hein? Et deuxièmement, l'école a son droit culier. Ceci dit, faut le faire de manière responsable. Et ces questions, ça que pose là. Je vais mettre casquette partenariat mondial pour l'éducation, parce que moi-même, actuellement, j'ai le privilège d'observer ça qui a passé directement tous les jours au niveau 69 autres pays qui membres communauté partenariat mondial pour l'éducation. Haïti, je suis capable aujourd'hui d'observer, c'est unique pays qui décide de passer à couleur verte là. Ça veut dire que tout le monde, à partir du 17 août, pourra être capable de tourner chita l'école dans la condition côté que, ou bien l'on a couleur verte là, ça veut dire c'est ou bien le pays a un vaccin déjà commencé à distribuer, ou bien il a constaté une immunité collective réelle côté pas de transmission
qui a fait dans le virus, dans toute commune, tout partout dans le pays. Ça couleur vert là. Ou du moins, il y a un pays qui a une certaine couleur, mais il dit malgré certaines zones, nous constatons ça, mais il y a une autre zone, l'école pas qu'à ouvert. Nous-mêmes, d'après ça, nous comprenons, dans tous les 10 départements, dans toutes 5 quelques communes, nous, eh bien, tout petit monde retire peut-être partie qui est dans le préscolaire là, parce que je ne comprends pas comprendre très bien, retire peut-être ça dit qui finit, qui boucle l'année, ça va ou quand même 3,5 millions de monde qui prend le chita, respecter 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite, avec professeur l'école de côté le campé par rapport à Bantou qui gagne 1 mètre, avec capacité pour gagner de l'eau, pas un seul de l'eau à rentrer, non, pendant journée, et toute règle d'hygiène minimale. Et ça veut dire tout, si jamais tu as un foyer dans l'école, il y a une capacité pour répondre à la question ça, parce qu'il y a l'hôpital dans la zone, parce qu'il y a une réactivité dans la zone, parce qu'il y a un test dans la zone. Moi-même, au niveau du partenariat mondial pour l'éducation, nous avons des protocoles que nous encourageons le pays, mais observé, pourquoi ouais et pas le pays qui décide de passer dans le niveau vert là, côté tout le monde capable de tourner comme ça, un seul coup. Ceci dit, c'est tout pour faire qui ça? Et c'est la principale question. Si c'est vrai, nous ne pouvons pas faire régression, moi, je prends exemple pour l'autre groupe pays, même leur décider de faire question rotation, tout le monde n'a pas tourner en même temps. Il y a un groupe qui parle matin, un groupe qui parle après-midi, un groupe qui parle lundi, mardi, mercredi, un groupe qui parle jeudi, vendredi, samedi, pour capable permettre de respecter et distanciation physique. Là. Mais il y a un gros objectif pédagogique que a poursuivre. Tout le monde à l'école a tourné l'école 2021. Tout le monde net systématiquement. Pas gagné 19-20 encore en particulier. Il y a tourné dans 2021. Nous connaissons tout débat que gagné. Est-ce que nous avons récupéré ça? Nous pas apprendre. Ou l'année prochaine ou plusieurs années qui viennent, parce que ça compte, c'est compétence globale à la sortie de cycle de scolarité. Hein? Ceci dit, eh bien, pays ça qui décide de faire plusieurs vacations, plus pour capable accommoder Timounio, mais il y a des professeurs additionnels qui ont planifié. Parce que professeur qui a fait, par exemple, qui n'a fondamental première année, le que les groupes qui fait chita la Kali. Pendant jour ça l'a accueilli groupe ça qui est capable d'accueillir groupe qui l'a calien est-ce que ça veut dire groupe qui l'a calien li autonome assez pour c'est lui-même qui travaille est-ce que c'est parents qui travaille avec donc protocole ça est suffisamment sophistiqué c'est bagage qui prend temps pour construire et puis j'aime sont t'ab dire pour me bailler l'autre paneliste sur parler hein il y a un objectif pédagogique que a poursuivre qui est très clair qui veut dire que l'homme fait si mon n'a pas étourné on va rattraper jour me pas fait année dernière pour entrer dans un objectif selon le curriculum prescrit. Or, en Haïti, le ministère a dit, et m'a campé là, il a besoin de récupérer 50 jours sur un total imaginaire de 120 jours pour aller à l'école. Je ne vais pas avoir aucun côté encore. Maintenant, même si tu as gagné 50 jours pour récupérer, je vais même pas expliquer. Dans quel contexte sanitaire, nous pouvons faire 3,5 millions de personnes tourner pendant 50 jours d'affilée, autrement dit, du lundi au vendredi, sans rotation, 50 jours à récupérer pour que nous bouclons l'année et nous pouvons faire notation, évaluation, notation, classement, dans condition psychologique, stress post-traumatique, ça, nous disons en condition pour subir des épreuves, moi bien choisi, subir épreuves dans condition traumatique que nous avons vécu. À qui ça évaluation pour le servir? Nous connaissons qui origine Timounio qui peut le faire que yo échoue plus, ça peut créer plus abandon. Échec scolaire, ça peut créer plus abandon. C'est ou bien faire semblant de faire tout Timoun passer, puis ton désir dès le départ, au moins nous avons ça n'a fait. Est-ce que l'objectif là, c'est objectif financier tout? Moi-même, parce que c'est toute question qui est sous table là, nous avons entendu l'autre panel ici, parce que moi-même, personnellement, je n'ai pas mis monde qui croit que je ne peux pas avoir la preuve de conditions sanitaires réunies. Deuxièmement, je ne sais pas quel est le gain académique dans une décision comme ça. Oui. Allô? Allô? Donc. C'est ça, intervenu. Oui. Bon, mais même Samta Remendi, si nous permettons, moi, je vais prendre un petit morceau anecdote pour me répondre. Parce que, faut nous pas peur les cabrites là. Non. Là, nous, on a une situation côté que pas de monde qui vient repère.
et pas gain à dire moun qui s'assemble à bay le ton yo, ils n'ont pas les moyens de leur politique, ils n'ont pas les moyens de leur philosophie. Si moi prendre même anecdote que m'té bay le n'a commencé hein, n'a prendre nous compte que et gain donc gain un groupe moun qui t'ai dit par exemple yo bloqué tout village de Dieu par exemple, donc dans 3 jours il a intervenu. Eh bien bon, dis-nous que village de Dieu fait débloquer route là ouvri, rien pas fait. Donc c'est pour me dire nous que là bon, nous pas c'est pour ne pas chercher midi à 14h parce que là moi j'ai une grosse théorie et cap élaboré et puis pas gagner théoricien. Donc c'est la loi du bing bong. Donc me passe la difficile pour nous joindre un bagage et qui normé, qui défini pour nous expliquer par exemple donc et attitude ministère, donc décision ministère là, parce que m'pa quoi donc ken bagage qui capable expliquer. Moi ça me t'a dit bon, donc j'ai l'impression et tout le monde rend compte que yo fatigué, yo décidé ouvrir l'école. D'ailleurs, l'on considéré comme un petit monde chita à l'école, on sait de classe pléthorique qui gagne en de lycée, donc à 120 monde. Yo dit au petit monde pour aller à l'école 3 jours par exemple, mais c'est qui 3 jours alors que donc non, donc même le qu'on fait comme ça. Donc, je ne sais même pas que vous êtes capable d'observer une distance de 50 cm. Donc, du coup, bon, même j'ai l'impression, comme il faut que vous disiez un bagage, il faut que vous fassiez un bagage, vous faites. Il n'y a rien de normé, il n'y a rien de méthodique. Donc, vous parlez qu'il n'y a rien de normé, tout qu'on est capable de dire pour expliquer ce que vous faites là. Merci, professeur César. Hello. Oui. Professeur Boyard. Allô. Allez-y. Allô. Oui, oui, n'écoute. Et bon, et moi-même, ça m'a dit, m'bataille mes auditoires là et quitter ça et perdu ça. Mais c'est son question de profit. Et cap réglé là, parce que nous avons ministre de l'Éducation nationale qui pour école privée, ça veut dire si on bagarre le ministre Pablo, ouais, c'est l'école publique, c'est ça qu'elle ne fait rien là. Il pour école privée, et dans l'école privée, il y a un grand souci pour boucler à l'école scolaire là, à tout prix pour ne pas revenir à l'école. Ou après, si on fait tout le temps et la caillou, tout le temps COVID la caillou, et puis, pour le ministère de l'Éducation nationale, là, pour le ministère de l'Éducation nationale, dit que les gens qui travaillent en ligne et qui ont ouvert en septembre, les gens qui ne travaillent pas en ligne ont ouvert en août, ils ont fermé en octobre, ils permettent ça pour toute l'école. Si les gens qui ont rentré par grain, si les gens qui ne travaillent pas en ligne, si les gens qui ne travaillent pas ni courant, ni smartphone, ni laptop pour te travail pour ni a prendre grain par grain vin composé vin bay kané. Moi mon petit aux amis qui prend kané dans sa rue les gole école dans pays yo, alors que tu n'a pas jam gon un seul jour de travail ni en ligne ni quoi que ce soit. Donc c'est recherche profit qui là. Mais en pile fois tout moun yo prend comme si m'ta ka di classe pléthorique dans lycée. Moi même moi travaille dans l'école privée déjà avec 72 si moun 9 ans. Dans l'école privée côté c'est 72 si moun 9 ans et dans une salle de classe et ça veut dire problème dans et tout côté comment on connaît l'école privée qui gagne 100 élèves en classe terminale parce que gagne l'autre classe trip et puis qu'on arrive dans classe terminale là sont seuls. Donc ça veut dire tout petit monde c'est pour c'est petit monde haïtien yo. Donc solution qu'a chercher pas qu'a solution pour un petit groupe pour li quitter l'autre petit groupe. Professeur César sorti by une image qui ça. Donc nous gagne des monde justement bon. Nous gagne impression yo gardé plus ça Macron a décidé en France
que ça nous-mêmes nous ta aimé ou bien décidé. Parce que pour être décision l'État ici à Ponti, j'ai ensemble avec décision que a prendre dans des pays tant que la France ou Canada qui eux même pas font ouverture et tête chargée comme ça. Moi-même moi besoin connait qui ça nous va faire avec une salle de classe, si prendre l'école côté m'a dirigé qui c'est l'école République des États-Unis qui ont moyenne de 50 petits monde par salle de classe. Ça veut dire même si on t'a fait d'ailleurs l'école là en double vacation ça veut dire faire un groupe petit monde vinn matin vinn l'après-midi il était déjà comme ça vous comprendre qui j'en nous va le faire donc est-ce que réflexion toute parole ça reconnait c'est pas ensemble c'est là ça nous les communautés éducatives là qui pour ta penser est-ce que c'est pas un gros travail avec université qui est à l'université d'État d'Haïti pour nous qui j'en pral qui j'en nous pral moyen pour et programme non qui ça n'a fait pour timoun yo et m'ta ka di akèri compétence en fait pour akèri parce que c'est pas ni le nombre de jours de classe parce que souvent on a parlé du nombre de jours de classe parce que les pays ont nombre d'heures de classe oui les pays chaque fois timoun a absent l'école là yo compte le comme et de bail que timoun a perdu faut que récupérer oui donc moi-même, je ne pas comprendre. Et c'est là, nous-mêmes, nous avons dans CNH, nous avons plus que 2 ans, nous disons, nous, si nous ne parlons pas à l'État, nous ne parlons pas à la société. Ya. Parce que, à faire l'école, là, c'est pour tout le monde. Donc, nous avons dit, c'est pour tout le village, c'est pour tout citoyen haïtien, qui c'est université, qui c'est industriel, qui a une usine, là, parce que faut que les travailleurs qualifiés là-dedans, qui c'est marchand, qui get timoun yon dans l'école là kap bezwen timoun sa lèl soti yon dans l'école là pou vini de améliorer business que le gagne qui était occupé timoun c'est tout monde ça concerné donc c'est paysan qui besoin de techniciens agricoles de bon agronome qui pou vini de li nan survie nous dépend de ça donc li lè pou daka di société a faire et demande d'éducation tourner pas c'est pas pour affaire professeur d'école seulement mais pour nous c'est seul côté. Et par exemple, par investi 8 fois plus que l'État dans l'éducation, et puis par contre, ça a fait dans le côté à investir. Pour avoir un gros monde qui a investi dans le côté, c'est l'argent qui fait la marche, et puis le parent doit poser question. Je parle avec un journaliste qui était interviewé sur ça justement, et puis là, je viens parler au micro, il dit oui, dans l'école, tout parent perd, que si on a perdu place dans l'école, qui a questionné. Et direction d'école là, ce qui est son travail en ligne, parce que vous constatez, c'est deux voies après des voies et bâtiments, vous pouvez retourner dans l'école là. Pas aucun travail en ligne qui fait, et puis nous avons quitté gros menti ça, passé, comme si nous avons dit, catégorie l'école qui travaille en ligne, et nous avons dit, qu'il y a un monde qui travaille en ligne en première année, qui pas et comme 500 mots. Que le supposé qu'on a pour une certaine autonomie dans l'étude. Nous avons dit, qu'il y a un monde qui fait. Donc, moi, je m'ta mais connait qui gens ou qui planification te fait la KDH par exemple des courants est-ce que l'État te fait des marches pour te bailler famille des kits solaires que en pile l'argent dépensé là-dedans pour chaque famille te gagner est-ce que te bailler te gon gros distribution de laptop qui te fait pour tout monde donc nous pas cap quitter ça passer en dans société a pour y a dit de l'école li te fin pour programme moi redit là encore Magali, je suis secrétaire général CNH, dit, si on l'école, dit, vous avez fait un programme, ce n'est pas nécessaire pour que vous à l'école pendant 10 mois. En 10, dans une année, dans 12 mois, l'école là, on fait 2 années, vous avez fait un premier, deuxième cycle dans 3 ans. Parce que c'est possible, ça veut dire, Haïti, c'est un pays qui pouvait, c'est techniquement possible pour que vous fait un programme 10 mois en 3 mois. Merci. Merci, Madame Georges. Monsieur Dumas, il y a une ensemble de questions encore qui posait et l'a intervenu à partir de ça. Monsieur Dumas. Ok. Madame, je parle trop non pour ne pas monopoliser la parole là, parce que grand pile l'autre nous vient de poser des questions. Dès que je rebondis sur la référence que Magali fait à nombre d'heures de travail. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, le ministre l'a concentré sur le nombre de jours de classe. Et il a oublié que et vraie unité de mesure là pour compétence ça c'est nombre d'heures des fois enquête les d'après rapport GTVF là dans périphérie et centre de Port-au-Prince pour évaluer combien nombre d'heures de cours élèves suivent dans l'école fondamentale avec dans l'école secondaire j'ai découvert que
n'y a pas arrivé plus que 400 heures par an. Alors que la moyenne mondiale et la norme mondiale pour... Pardon, micro. Oui. La norme mondiale, c'est de 900 à 1000 heures par an de présence qu'on a gagné dans la salle de classe en façon enseignant. Majorité de l'école qui est dans la matinée là, n'importe où près ça là, avec système 3 vacations, dans un monde, il faut avoir besoin de temps pour que chaque écolier, dans le fondamental ou dans le collège, ait une capacité de suivre 900 à 1000 heures de cours pour année. C'est son premier élément. Deuxième bail que les personnes, autorité ou pas, ou bien pas prendre conscience, c'est précarité milliaire. Vous avez parlé de précarité des familles. Nous peut-être pas rendre compte à quel point bon appauvrissement accéléré des familles pendant les dernières années à cause de question de l'autre là et puis question de Covid là. Bon, pas qu'être famille classe moyenne qui bascule dans la pauvreté. Or, comme éducation en Haïti, c'est la charge des familles puisque nous avons 80% écoliers selon l'école privée que nous. Donc, c'est pas un cap financier l'école, c'est pas l'État. Donc, ça c'est un premier élément. Précarité des enseignants. Majorité enseignants chargés de cours, c'est des gens qui ne vivent que de ça. Il n'y a pas de bolettes qui sont gérées, il n'y a pas de bric-à-brac, il n'y a pas de factory qui marché. Donc, il ne vit que ça. Et tout le monde sait presque basculer dans la pauvreté. Donc, comment on peut imaginer, repenser, ouvrir l'école sans programme d'aide massive pour catégorie de comment? Mais le n'y a pas de chiffres qui sont à l'étranger. Une sorte de l'Union européenne, avant-hier, font une coalition de tout pays pour mettre en place un programme de 750 trillions d'euros. Hein? Pour soutenir les pays. Mais c'est pour faire face à précarité, ça. Parce que tout le monde vit dans la même précarité, ça. Donc, bah ouais, comment l'État, sans aide massive pour les familles. Côté, par exemple, où tu as dit, mais on prend en charge, on met pour un trimestre la totalité des frais scolaires de tout le monde. Toute l'école fondamentale gratis pour tout le monde, c'est l'État qui paye charge ça pour le trimestre. Côté, tu as dit charge, salaire enseignant, c'est l'État qui prend pour tout. Corps enseignant que de la public que de la privé pour permettre de amortir choc ça parce que pas bien moyen nous pour faire une transition en douceur lorsque la Covid et pays l'autre pour faire une transition en douceur pour atterrir normalement dans un système qui a fonctionné avec toute perte d'emploi, toute perte de revenus, tout appauvrissement massif qui fait dans la population ça. Est-ce que on voilà, poser ça comme question, c'est un commentaire peut-être, nous pas obligé de répondre, mais si il y a un feedback là bon. Merci. Avant peut-être que le panel est intervenu, il y a d'autres questions que nous recevons sur NetLand. Sur la réalité de différents départements par rapport à la crise politique septembre-décembre 2019, la crise pays local, ni par rapport à la COVID. Donc, nous avons sur les réseaux sociaux posé la question, est-ce que l'État a des données qui sont disponibles sur la question de ça pour faire que vous ayez une gestion qui lié à réalité chaque département yo, par rapport à nombre de semaines réelles de classes qui perdues pour agir de manière plus rationnelle. Par l'émission qu'a intervenu Gonien ou du moins. Oui. OK, très bien. Ma rebondi sur une question vraiment importante, sur question et temps d'apprentissage. Là. À part question rythme, question temps d'apprentissage. Là. C'est vrai, je pense que Jouyo pas baou véritablement en unité de mesure qui pratique et qui permet qu'on puisse utiliser. Si nous prenons un nombre prescrit ministère aujourd'hui, nous parlons de 950 heures au niveau fondamental, nous parlons de 1140 heures au niveau et du secondaire, mais même l'on fin dit heures d'apprentissage. Il faut rentrer dans, que ce soit approche didactique, pédagogique, pour nous voir qu'utilisation efficiente qui fait de l'heure à tout. Parce que l'enseignant, parce que justement, il n'y a pas tout soutien, tout encadrement pour te recevoir et tout matériel pour le gagner. Il est obligé de passer pratiquement sous chaque heure de temps, une quantité de minutes pour la retranscrire sur un tableau
C'est l'heure utile aussi. On retranscrit son tableau avec concret. Il y a un paquet de notions, OK? Que c'est dans matière de base en particulier, en lecture, en mathématiques, nombre de temps pour le prendre, que l'a écrit dans le tableau, l'a effacé à reprendre. Je pense que notion d'heure là, il y a encore plus complexe, l'un ajouté, on t'a cap dit question déficience au niveau didactique, au niveau pédagogique. Ceci dit, pour nous continuer dans même réflexion ça, je pense que le recteur a soulevé un point que nous pas cap pas parler de ça. Premièrement, tout à l'heure, nous sommes avancés certains chiffres. 22 000, 23 000, 24 000 établissements scolaires, dont la moitié pas soutenable comme projet académique, parce qu'il faut qu'on taille une masse critique, investissement minimum pour faire, pour qu'on conduit, pour qu'on ait un projet pédagogique qu'on mène à bout, pour recruter enseignants qualifiés, pour entrer dans une dynamique de développement professionnel d'enseignants, pour acheter équipement, infrastructure, pour faire l'école avec minimum de normes au service de nos systèmes d'assurance qualité. Or, si unité ça, encore que vous avez un réseau et vous viable, mais si vous n'avez pas un réseau, je garantis que aujourd'hui, nous pas assister à un pile faillite, de un pile dans l'école ça. Ça peut être 12 mesures, pas très réussi fait en termes de normes pour dire que l'école qui a fonctionné et qui est minimale pour l'école fonctionner. Yo pral pou compte pa yo disparaître malheureusement yo te cap réseauter yo te cap font l'autre bagarre avec yo yo pral disparaître et bien on bonne profet parent même leur ta gen cob nan poche yo comme ça pas suffisant pour kimber l'école là donc son double choc ou gon double choc au niveau de l'offre et de la demande l'offre gon grand risque en pile l'école pral disparaître la demande recteur clair 22, 23, 24% de taux d'inflation, revenus qui n'ont payé côté que pratiquement mode de consommation, c'est en dollars, parce que toi, quand ça n'a consommé, c'est importation, ou en peso ou en dollars, avec pratiquement 120, c'est pas même qu'à baïto, non, mais pas même BAH, mais nous, ouais, ça qui a passé sur le marché changeant, Magali saute parler de très bien de ça, parce que Magali George. Donc, appauvrissement des parents, appauvrissement des écoles, donc, on double choc de l'offre et de la demande, qui vient mettre en risque fondement système scolaire et modèle financier de financement l'école là que ses parents pauvres approuvent qu'a fait et n'a qu'a dit des chefs d'établissement ou des enseignants qui naturellement ont pauvreté tout dans offre en pauvreté pédagogique, ils ont pas formé pour ça. Donc question ça a mandé un gros chita parler. Moi pas comprendre qui gens l'école là pour l'ouvrir l'état aujourd'hui nous sommes chiffres qui montrait que en valeur absolue et en valeur relative, l'homme tape quitté ministère là, en valeur absolue, budget a été 22 milliards de goudes pendant goudes là, environ 50 goudes pour dollar. Jodi a les 18 milliards de goudes quand il faut 120 goudes pour dollar. Où est-ce que budget est capable de faire concrètement? Donc c'est là nous. Merci, professeur Maniga. Ma signale pour panélisio que malheureusement l'heure pour nous mettre fin à webinaire ça est arrivé sous nous mais université Kiskeya ça c'est message communiqué pour nous a organisé un autre webinaire essentiellement sur question éducation parce que nous avons bonne question plus pointue sous mise en place au privé vient joindre nous on pas que nous toutes des réponses parce que ça vraiment c'est ministère éducation nationale qui capable réponse mais c'est des questions quand même qui montent préoccupation parents yo préoccupation professeur et qui méritait quand même que nous chita sur yo. Est-ce que professeur César qui en dernier parole il va ajouter directeur Luman, madame Georges, m'a bay nous chaque minute et puis n'a pété fait un webinaire ça et puis n'a retourner on l'autre fois encore. Oui. Alors. Oui, nous t'entendons. OK. Non, c'est qui est-ce que vous allez parler? Monsieur, professeur César, vous allez parler, oui. OK. Donc, moi, je voulais ajouter deux bagages sur ça, professeur Maniga, ce dit là. Et moi, je connais que gagné et plusieurs écoles, parce que, puis, n'oubliez, gagné l'école qui louait, c'est loué ou loué espace là.
Donc, moi, dans mon district, c'est le district d'Elma, par exemple, moi, je connais une pile l'école qui pratiquement déjà pas existé. Et bon, je voulais ajouter, et peut-être nous pas gagner trop pour nous parler de ça, c'est mon travail que le ministère de l'Éducation nationale fait l'école à Nessa. Le ministère te promet une aide à 17 000 écoles et environ 30 000 enseignants qui gagnent. Et qui ça a offert? Il a été dit que y a toute l'école ça en com côté que y a capable dispatcher pour aider professeurs pendant COVID 19 là. Maintenant, et alors l'école qui pas gagné par exemple et compte qui fait sous donc sous non l'école là, ils ont fait tout le monde aller et ouvrir donc on compte donc naturellement ça pas gagné payer fait pas tant. Et puis, et moi, je connais des gens personnellement qui, le pays qui a été assassiné ensuite, COVID-19, je connais des directeurs qui prennent l'argent escompte pour faire battre ça. Ils ont espéré que le ministère a fait un bagage pour eux. Eh bien, jusqu'à présent, donc 30 000 enseignants qui ont souffert, par exemple, qui recevait 5 copes cuivres de l'État. Donc et si c'est pour alors en fait oui c'est toujours une bonne idée pour yo réseauter l'école yo, mais il y a un paquet qui pratiquement tombé de par eux-mêmes. Et là nous regarde comment l'autre pays par exemple tout près nous la République Dominicaine est choisi en, donc encadrer tant l'école yo et professeur yo, là nous ka dit que son situation qui vraiment grave. On l'école qui livrait à lui-même, des professeurs qui appauvris, qui tombaient dans déchéance, qui tournaient des épaves, et puis qui n'avaient aucun main secourable qui venait en aide. Donc, c'est ça que je voulais ajouter pour renforcer. Et puis, gars, n'oubliez tout, c'est bon, ça, c'est monsieur économie, a bien pour parler de ça après, alors que l'école-là, c'est le plus gros marché de l'emploi en Haïti. Merci, professeur César. Madame Georges, un dernier mot? Oui, un dernier mot. Professeur César dit, c'est l'école, c'est le secteur économique d'Haïti. Parce que, bon paquet d'activités, bon paquet d'activités, camionnettes, taxis qui lient à l'école-là. Ça m'a attiré attention, c'est professeur César, par exemple, il y a une école qui a fait un avion, le ministre a dévoué comme, et président de la fédération associée et fédération base et roi Thibaudet, travaille dans l'école, ça, l'école là, balle 2500 goudes. Professeur primaire, il y a 2000 goudes. Pourquoi 2000 goudes? Mais comment l'État a traité des professionnels dans le pays? Ou moun fait 6 mois pas touché, ou voye 5000 goudes. Et puis après, c'est ouvert l'école. Après, c'est ouvert l'école, ou avez mette un moun qui n'a pas respecté devant Timon, et puis après, c'est dans l'école pour le travail, de mettre la vie, la vie, la vie, bon. Comment la Timon, qui a quoi dans l'école, les professeurs devant eux, sont échec liés. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes nous dit. Et nous-mêmes, n'espérez pas que l'école privée, vous comprenez ça. Mais si vous avez l'école privée, vous comprenez ça, vous n'avez pas existé comme professionnel, vous n'avez pas aucune garantie de l'emploi. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas compté. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas retourner travail. Nous n'avons pas retourner travail sans que les conditions de travail n'ont pas existé, sans que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas travaillé sur le statut des enseignants du privé, ou l'école privée qui n'a pas garanti le salaire de base qui est payé dans la factory. Pour l'école, où il n'y a pas existé comme l'école. Nous n'avons pas continuer à faire à peu près parce que pas le salaire minimum qui est applicable dans l'usine à factory, pas applicable à l'école. Et on voit que tout le monde a défendu. Nous-mêmes, nous dit que ce n'est pas normal. Et nous avons des sociétés à comprendre ça. Plutôt miser dans l'autre pour des bonnes nouvelles. Donc, ça n'a fait. Et le petit chiffre, nous gardons ça, n'a quitté là. Il y a une possibilité. Nous avons environ 4 millions de monde. Et qui, t'as qu'à dire, dans des centres de formation, environ 4 millions du préscolaire à l'université.
Bon, on met 4 millions de monde en primaire et préscolaire, primaire, secondaire. Si on divise par moyenne de 50 élèves par classe, parce que c'est ça lié, et li pas bon, et on t'a dit tout catégorie l'école. Bon, on t'a dit, on t'a mis 500 monde par école, li t'a bon 8000 écoles. 8000 écoles, t'as plus mal, plus facile pour gérer que l'on 30 000. Jean-Professeur Baniga te dit, gade l'école qui n'a corrido et 50 ti moun ni gen, gade l'école qui gen 100, gade l'école qui gen 200, gade l'école qui gen 5000. Donc, ou pas kap fè l'école comme ça. Donc, m'ta kap di, 4 scolaires et gade ki mouen l'école. Faut l'état défini un code pour l'école yo vraiment fonctionner et exister. Moi, m'pense que COVID la son opportunité liye pour nous garder tout ça pour nous mouen. Merci, professeur Georges. Le mot de la fin, professeur Jacques Lumard. Et puis, on est fin à webinaire aujourd'hui. Et puis, rendez-vous demain pour suite des activités. On pas oublier toute activité ça a fait. C'est autour de la publication ouvrage que l'Université Kiskeya et à travers Presse Unique est publié en format PDF gratuitement sur réseaux sociaux pour tout le monde, qui est Haïti et le COVID-19, des outils pour comprendre réagir. Livre a 30 universitaires qui contribuent à la donne. Il y a 325 pages, il est divisé en 4 grandes parties. Il y a un accès libre sur le site universitaire www.unique.edu.ht. Nous avons téléchargé l'île et posé question nous sur le web universitaire, même les séries à l'infini. Contributeur qui a toujours réagi avec le public là et puis nous qui bon permanent sous débat ça puisque nous pouvons sortir COVID là nous pouvons sortir la donne donc nous avons une obligation pour nous continuer à réfléchir pour nous faire payer des propositions pour nous sortir dans sa ligne. Professeur Lumard, pour le mot de la fin. Oui, merci Daline. Alors simplement et rapidement, nous rendons compte nous débat plus concentré en filigrane sous question de l'école fondamentale, question peut-être de l'école secondaire, nous n'avons pas parlé de ni de formation professionnelle, ni de l'enseignement supérieur. Et c'est des domaines qui ont des problèmes spécifiques pour eux-mêmes comme chantier. Et c'est peut-être, nous sommes prenant des dispositions pour l'état d'urgence sanitaire, mais peut-être pas. Similitude, c'est un moment pour penser un vrai état d'urgence scolaire dans le pays. Parce que nous allons rentrer dans une année scolaire. Pardon. Oui. Nous allons rentrer dans une année scolaire comme si tout était normal. Mais l'école, en majorité en Haïti, son vrai cinéma, de primaire à enseignement supérieur, ouais, 22 000 l'école. Et combien 150 ou 200 et ça, on est université. Mais tous ces blagues, tous ces cinémas, si on a monté des scènes, bien habillé, le gogo, uniforme, belle cigarette, etc., il n'y a pas d'apprentissage. Et quand pile dans l'entité, ça, au cœur de l'école, yo, qui ne peut pas reprendre. Et il y a tout qui va mériter de reprendre. Donc c'était le moment pour l'État, c'est le moment pour l'État de rentrer dans le système, non, de faire véritable réingénierie avec les accompagnements qui sont nécessaires pour protéger les enfants, les écoliers, et protéger l'institution qui est capable de transformer de vrais services, mais vraiment en situation de un vrai état d'urgence sanitaire. Et tout à fait d'accord à l'idée que faire débat continuer sous forme d'autres interventions que nous allons faire et dans les prochains jours. Donc, merci à Pandélicio, merci à Daline, et excellente discussion. À la prochaine. Merci tout le monde. Webinaire demain, c'est sur l'économie. Donc, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur le site Université Kiskeya et puis téléchargez les livres sur www.unique.edu.ht. Merci parce que nous te recevons.